Bonjour et bienvenue dans Intensément Sarthe de ce jeudi 11 février 2016. Au programme Portes ouvertes à la Compagnie des chemins de fer de Semur-en-Vallon. Alors vous me direz, on la connaît déjà puisqu'elle a eu l'occasion de venir ici sur ce plateau. Oui, mais elle a des choses intéressantes à nous raconter. D'abord parce que ça bouge énormément et en permanence là-bas. Et puis surtout parce que le président a fait une démarche qui, moi, m'a semblé originale, sympathique, importante. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans un instant. C'est dans Portes ouvertes, je vous le rappelle. Après Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour, en l'occurrence, ce sera deux jours. Deux cafés archi organisés. Organisé par l'Association des architectes de la Sarthe. Et pour nous en parler, nous aurons deux architectes, justement, Fabienne Pommier et Hervé Lehoux, qui viendront nous dire d'abord ce que c'est que cette association. Mais pareil, on a déjà eu l'occasion d'en parler, je pense. Et puis, surtout, ce que seront ces cafés archi auxquels vous êtes invités à participer. Ça va se dérouler dans quelques semaines. Et évidemment, on espère que vous serez nombreux. Sarthe toujours avec la vie mancelle. Vous avez l'habitude régulièrement de recevoir avec moi, donc sur ce plateau, Daniel Levoyer, qui en est le président et le directeur de la publication. On fera un petit panorama de la dernière édition de cette Vie mancelle sartoise, particulièrement éclectique et intéressante. Enfin, notre invité intensément sartois est intensément sartoise, puisqu'il s'agit d'une femme. Comme chaque semaine, c'est un maire, le maire en l'occurrence d'Ivry-l'Évêque. Il s'agit de Dominique Aubin et elle est accompagnée de son premier adjoint André Leroux. Moi j'ai découvert en préparant l'émission qu'à Ivry-l'Évêque, il y a une vraie histoire qui fait partie de la grande histoire de la Sarthe et même de la France, notamment à travers les Prussiens. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà le programme, c'est parti. Je vous présente Christian Potier, bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous inviter. Vous êtes le président du ou de la CCFSV. Voilà, la compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon, connue sous le nom de Musée au train et de train, petit train de Semur-en-Vallon, mais Musée au train, c'est le grand nom d'aujourd'hui. Qui existe depuis ? Alors, la compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon existe depuis 1968. Elle fêtera ses 50 ans dans quelques temps, 2018. Je veux dire, c'est quasiment une affaire de famille, c'était votre père ? Voilà. C'est vous aujourd'hui ? Ben nous, on est tombé dans la marmite de force. Voilà. Et c'est votre fils à la suite, après ? Qui est tombé dans la marmite, hein, on verra s'il restera. Alors lui, s'appelle Pierre. Hein. Pierre Potier, bonjour. Bonjour. Pierre Potier, oui, c'est ça, vous êtes né dedans. Vous l'avez toujours connu, parce que oui. 68, je pense que vous êtes né depuis. Hein. Oui, oui, tout à fait, je suis né depuis. Voilà. Oui, depuis que j'ai 2 ans, je vais là-bas. Quoi. Et alors, c'est une affaire de jeunes en plus. Alors ça, c'est fabuleux, on va y revenir dans un instant. Vous êtes entouré de deux jeunes gens. Benoît Menant. C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites office de quoi dans l'association ? De trésorier, principalement, de bénévole aussi. Vous êtes de la banque dans la vie, peut-être, c'est ça ? Exactement. Ah, ça aide, effectivement. Effectivement. Et puis, webmaster. Il paraît. Super. Il paraît. On va voir une de vos œuvres dans un instant. Et on a avec nous Raphaël Dieu. Bonjour. Je m'incline. Raphaël Dieu qui a la particularité de venir de Vendée, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que vous avez une passion pour le petit train ? Pour le petit train de Semur-en-Vallon. Alors, ce n'est pas le petit train tout petit, hein, c'est un petit train déjà grand et qui roule sur des voies étroites. C'est comme ça que l'on dit. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, on va parler évidemment de vos activités, etc. Mais c'est parce que, à la différence de beaucoup de choses qu'on reçoit par mail tous les jours, qui sont des coups de gueule, on se plaint toujours des choses qui ne fonctionnent pas, vous avez fait l'inverse. Vous nous avez écrit pour dire, et il y a une petite surprise, parce que ce n'était pas dans le corps de texte, il fallait ouvrir la pièce jointe. Voilà, hommage aux bénévoles. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on part du principe que c'est extraordinaire déjà tout le boulot qui peut être fait dans notre site et donc par des bénévoles de tout âge, de toutes conditions. Et en plus, il y a eu le grand chantier de Noël extraordinaire, donc voilà, qui se résume en trois chiffres importants, à savoir 690 heures de travail, 19 bénévoles au boulot et 200 mètres de voies refaites entièrement, plus des chantiers annexes. Donc ça a été vraiment extraordinaire. Titanesque. Et surtout, avec l'esprit d'avoir envie que ça aille bien, dire que bon, c'est vrai que c'est jamais facile, il y a des problèmes, des machins, des machines qui tombent en panne, des contraintes et tout ce qu'on voudra, mais n'empêche que tout le monde était là pour ramer dans le bon sens et à faire en sorte que l'objectif soit atteint, c'est-à-dire que notre chantier au 3 janvier soit terminé, que les voies soient remises en état. Et ça a fonctionné. Et là où c'est étonnant, c'est qu'en plus ça fonctionne avec des gens jeunes. Vous avez effectivement la chance d'avoir des gens qui prennent des vacances spécifiquement
pour venir travailler avec vous. Alors, quand on dit travailler, c'est du travail ou c'est du plaisir, d'ailleurs ? C'est plus du plaisir que du travail. Oui, c'est vrai ? Ah oui. Et alors, c'est quoi votre motivation aux uns et aux autres ? Alors, vous êtes venu de Vendée, carrément, pour vous éclater. Vous éclatez ou... Bah oui. Ouais. Bah, si j'en reviens, c'est pas pour rien. Et qu'est-ce qui vous éclate dans l'histoire ? Il y a beaucoup de bricoles, ce que j'aime bien faire, et puis le chemin de fer est quand même quelque chose qui n'est pas... Il n'y en a pas partout, quoi. Ouais. Vous avez pris des vacances aussi ? Oui, tout à fait, 15 jours, oui. 15 jours de vacances ? 15 jours de vacances, oui. C'est étonnant, non ? Alors comment ça s'explique ? Il y a une ambiance ? Oui, l'ambiance, l'objectif à atteindre, le plaisir de travailler ensemble, il y a quand même une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien... Vraiment, il y a un objectif commun. L'idée, c'était à la fin de ce chantier-là d'arriver à renouveler toutes nos voies sur les quais. Donc voilà, l'idée, c'était d'atteindre l'objectif coûte que coûte. Alors moi, c'est un challenge, quoi. J'avais vu avant que ne démarre le chantier, parce que. Alors vous savez communiquer à la presse. Hein, vous nous envoyez régulièrement de l'information. On sait ce qui se passe du côté de ce mur en vallon. On avait reçu effectivement le descriptif du chantier complet. C'est militaire, hein, votre histoire. Hein. C'est pas militaire, c'est organisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre des bénévoles au boulot sans que tout soit pas. Plus de choses prévues possibles. Après, il y a forcément des imprévus obligatoires. Mais au moins, il faut cadrer un chantier comme ça. Ça s'est préparé pendant 2 mois avant, avec les équipes et tout ça. Tout prévoir, le matériel, les entreprises qui ont joué le jeu. Il n'y a pas d'impondérable, il n'y a pas de. Ah si, forcément, mais plus on va mettre de choses carrées au départ, moins on va en avoir et plus on va avancer. Alors c'est vrai qu'il y a forcément. On a une pelleteuse qui est tombée en panne. Faut comment on gère. Mais n'empêche qu'il faut, il faut cadrer. Et donc, d'où le préparatif qu'on avait diffusé avant. En disant voilà ce qui va se passer à ce mur en vallon pendant 15 jours. On a le nombre de traverses en béton 260, 520 griffons. Alors je sais pas ce que c'est que les griffons. C'est pas des chiens. C'est tout simplement les attaches qui permettent de fixer les voies sur la traverse. Qui sont différentes des fixations. Alors voilà, c'est deux choses différentes. Mais il y en a 520 aussi. Hein. Trois aiguillages, etc. Des courbes à fabriquer. Oui, alors donc il vous faut en plus des gens de compétences différentes. C'est quoi vos compétences sur le chantier ? C'était quoi vos compétences sur le chantier aux uns et aux autres ? Moi, conducteur de machine, parce que je travaille dans le travail public à l'origine, donc je connais un petit peu les engins. D'accord. Et puis sinon, manœuvre, tout un tas de choses. Hein. Eh bien, je répondrai à peu près la même chose, sauf que je ne travaille pas dans le travail public. Mm-hmm. Donc, de la pelleteuse à la petite bricole. Donc, l'avantage de ce chantier-là, c'est qu'on peut vraiment toucher à tout. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait y revenir chaque année. Et ça vous semble utile pour le reste de votre vie, tu allais dire ? C'est toujours utile. On est surtout utile pour l'association parce qu'on voit que les choses avancent. Ouais. Et quand on s'est posé sur le chantier avant, en regardant ce qu'on allait faire, et à la fin, et qu'on s'est rappelé notamment au niveau de la plaque tournante qu'il n'y avait rien, on s'est dit quand même on a bien bossé. Vous étiez fier du travail accompli. C'est important ça d'être fier du travail accompli, effectivement. Bon, tout ça pour faire avancer le petit train, il y a combien de lignes ? Il y en a une, deux, il y en avait deux. En fait, là, on a refait les voies de la gare du musée au train. Ouais. Parce qu'en fait, tout le site du musée au train est en rénovation, ça se termine en 2016. Et donc là, il fallait une belle gare avec une marquise, enfin tout ce qu'il fallait. Donc c'est ça l'objectif. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, combien y a-t-il de voies ? Aujourd'hui, le terrain de l'association, c'est 7 hectares. Mmh. Et il y a 3 km de voies de type Decauville de posées. Alors, on rappelle, ça, c'est les voies étroites. Hein, voilà. Alors, quand même, pour que les spectateurs se rendent bien compte, imaginez le gars qui, dans son sous-sol ou dans son grenier, se fait son petit réseau sur 2 mètres carrés. Ben, nous, on l'a fait sur 7 hectares. C'est exactement la même chose. Et voilà. Et nos voies font 60 cm de large. Donc, inventées par Paul Decauville en 1875. Et donc, voilà, c'est historique, quoi. C'était des locomoteurs. Alors, je ne vous dis peut-être pas locomotive, d'ailleurs, c'est... Locotracteur ou locomotive, ça dépend, il y avait les deux. De mines essentiellement. Ah non, au départ, c'est l'invention de Paul Decauville, c'est les betteraves. Il commence son invention en 1875 dans les champs de betteraves, c'est ça l'origine. Mm-hmm. Et puis très vite, on est dans les années 1890, où c'est tous les grands chantiers de France. Et bien évidemment, tout le monde va vouloir du Decauville parce qu'on peut transporter des cailloux, de la terre, des gravats, des matériaux, tout ce qu'on veut. C'est un outil qui va être l'outil de tous les grands chantiers, mm-hmm. dont d'où le développement extraordinaire de cette invention. Et ça s'est arrêté quand ? Alors, on va dire, pour faire l'histoire de Decauville, invention 1875, montée en puissance très vite jusqu'à la guerre de 14, stabilité jusqu'à la guerre de 39, et déclin à partir de là, et la fin 1995 environ. Et qu'est-ce qui s'est passé en 68 pour qu'à ce mur en vallon, on décide de... Ah ben, c'est par hasard. Conserver. C'est le hasard complet. Ah parce bon qu'en fait, bah oui, parce que nous, en fait, l'idée des bénévoles de départ, c'était de faire répondre à ce que les gens de cette époque-là, milieu des années 60, voulaient. Ils voulaient quoi ? Ils voulaient du loisir lié à l'eau. Il n'y avait qu'un seul plan d'eau dans la Sarthe, c'est le Guillaume Cocoplage. Mmh. Et les bénévoles de l'époque sont allés
allé voir à Sillé de Guillaume et on dit bah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et ils ont fait un plan d'eau. Un plan d'eau, pédalo, barque, vedette, guinguette, succès monumental. On venait de toute la Sarthe à ce mur en vallon. Et d'un coup, ils ont dit c'est les Floralies d'Orléans. Il y a un petit train au Floralies d'Orléans, on va faire pareil. Et voilà comment démarre l'histoire du petit train. Et le plan d'eau existe toujours ? Alors le plan d'eau existe toujours, il n'est plus de notre association, il a été donné à la commune de Semur-en-Vallon. Aujourd'hui c'est un lieu de promenade, de pêche et de pique-nique, voilà, tout simplement. Bon, mais ce qui s'est développé c'est le petit train. Voilà. Alors rapidement, donc, pour le faire vivre, d'abord vous régulièrement proposez de nouvelles choses, la restauration, de matériel, j'entends, pour l'instant de la restauration. Il n'y a pas de restaurant encore pour l'instant. Non. D'accord. Ça viendra peut-être, mais pas pour l'instant. Et puis, vous sautez sur toutes les occasions pour faire connaître votre site. Là, vous faites quelque chose dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme, samedi 13 février. Voilà, samedi là. C'est ouvert au grand public ? Dans deux jours, voilà, il faut réserver par contre, parce que comme il y a des rillettes et du cidre à la fin, il faut quand même qu'on prévoie suffisamment pour tout le monde. Donc voilà, donc réservez surtout bien. La grande chose qu'il y a de ce samedi 13 février, c'est l'après-midi, 14h30, 14h10, 14h15 plutôt, c'est qu'on s'est dit, en ce moment, le musée est en chantier. Hein, on est en hiver, on travaille dedans, on fait plein de restauration, d'aménagement. Et on s'est dit, pendant que c'est le chantier, on va faire venir nos amis d'Antoigné, les fondeurs d'Antoigné, l'association des fondeurs d'Antoigné. Voilà. Ils vont venir avec tout leur matériel, leurs conférences et tout, et ils vont expliquer ce qu'était la grande fonderie Chappé à Antoigné dans notre musée en travaux. Voilà, ça va être le programme de ce samedi après-midi. Sympa. Dans votre actualité, vous avez été les vedettes d'un magazine spécialisé, ça c'est vraiment très spécialisé, dans la voie étroite. Voilà, c'est un magazine ferroviaire de tous les passionnés de train et voie étroite, voie en dessous du système normal. Donc voie de 60, voie de 50, la petite voie aussi en quelques pouces, le métrique, etc. Qui vous consacre voilà, donc on a eu la chance de le numéro de janvier et février. Donc on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est un magazine national quand même, diffusé dans toute la France, à un nombre d'exemplaires non négligeable. Et on a eu deux grands articles, deux pages au milieu qui expliquent le chantier de Noël, qu'est-ce que c'était, voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Et puis on a une troisième de couverture qui a été fait par un journaliste qui, c'est quoi le train de Semur-en-Vallon, qu'est-ce qu'on y fait. Voilà. On parle de la Sarthe à l'extérieur grâce à ce mur en vallon. Autre actualité, votre film ? Exactement. Un film de 6 minutes ? Oui, qui fait la rétrospective du chantier de Noël, justement. Qu'on trouve où ? Qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Et qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà, qu'on a vu à l'écran à côté de nous, tout à fait. Effectivement, c'est du boulot ça aussi ? Oui. Parce qu'il y a les 15 jours que vous avez passé pour faire les travaux, mais il y a ça où vous devez y passer du temps pour chez vous, j'imagine. On a passé un peu de temps sur la communication sur ce chantier, puisque tous les soirs, on publiait des photos du chantier du jour. Ah, mais vous êtes les meilleurs en communication. Hein. Ça, clairement, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et puis, alors, enfin, l'Assemblée Générale qui vient de se terminer, c'était il y a quelques jours à Saint-Gervais-en-Blain. Vous êtes à Semur-en-Vallon, l'Assemblée est à Saint-Gervais-en-Blain. Ça, c'est un paradoxe. Hein. Alors, l'Assemblée Générale est le moment extraordinaire et fort de notre association parce que notre mode de fonctionnement fait qu'on ne se voit pas forcément, puisque il y a l'exploitation, les gens viennent bosser, conduisent les trains, font la visite du musée, etc. Ils ne se voient pas. Par contre, l'Assemblée Générale, évidemment, c'est le moment où tout le monde se rassemble. Donc 69 personnes étaient présentes. Alors pourquoi Saint-Gervais-en-Belin ? Tous les ans, on change. C'est une assemblée générale tournante. Et elle se rapproche des bénévoles. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles de toute la Sarthe qui viennent bosser à ce mur en vallon. Donc il y a un bénévole au moins à Saint-Gervais-en-Belin. Il y a au moins même plusieurs bénévoles dans le Belinois, on va dire. Et donc cette année, il avait décidé de nous accueillir donc avec le maire de Saint-Gervais-en-Belin. Et donc on a été donc dans ce territoire. Sachant que l'année prochaine, c'est déjà prévu, ça sera du côté de Bonnétable-Beaufait. Très bien. Pour terminer, les objectifs. Alors, on a bien compris que vous étiez vraiment fixé sur les objectifs. Le premier, donc des travaux toujours, dépasser les 6000 visiteurs annuels, c'est ça ? Voilà. Donc, l'année dernière ? On est à 5500 en gros. Donc, faut qu'on atteigne au moins les 6000. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin. Et surtout, on compte sur notre nouveau musée au train de Decauville, puisque ça va être l'objectif des 3 années qui viennent maintenant, là, puisqu'on a terminé la boîte du musée, donc elle est finie. Et je disais tout à l'heure, les travaux extérieurs d'accessibilité, gare et tout ça, c'est fini. On est d'ailleurs labellisé handicap. 4 handicaps. C'est important. Hein. Oui. Et donc maintenant, on va bosser la scénographie, puisqu'on veut que le musée soit le musée de Decauville. Et alors, vous êtes dans la modernité la plus totale sur la scénographie, puisque vous bossez avec Sound to Sight. Yes. J'ai vu que c'était Antoine Charron qui avait Antoine été invité pour le présenter. Ouais. On ne peut pas faire plus. On a reçu énormément d'entreprises qui sont intéressées. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur la scénographie. Ouais. L'idée, c'est donc le musée de Decauville, bien entendu, mais surtout de l'immersion. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas faire un musée randonnion. On veut faire un musée où il y a un sas d'entrée,
2020 d'un côté, 1920 de l'autre. Donc les gens rentrent dans les années 1900-1930 et on se débrouillera pour qu'ils y croient vraiment. Bon. Et Antoine bosse sur ce sujet-là avec tout le talent qu'on lui connaît. Bon, vous êtes un sacré bon vendeur en tout cas. Moi je comprends que ça marche. Dernière chose, vous avez envie aussi un peu de professionnaliser, d'après ce que j'ai vu, d'améliorer encore le service, l'accueil. Oui, alors nos objectifs, en gros, musée au train de Coville, donc ça c'est pour 2018, les 50 ans de l'assaut. L'accueil, on veut être de plus en plus meilleur, entre guillemets, hein, de façon à ce que les gens se sentent bien chez nous et aient envie d'y revenir, c'est déjà le cas, mais encore plus. Augmenter notre clientèle, nos visiteurs, parce que c'est très important au niveau financier. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes non négligeables de financement public, donc il faut qu'on soit de plus en plus autonome, et bien entendu, donc 6 000, 7 000, 8 000. 10 000 visiteurs, ça serait quand même pas mal. Ça nous dégagerait des moyens financiers suffisants. 10 000, c'est peut-être un objectif un peu loin, mais pourquoi pas. Et puis, il y a les 50 ans du train, hein, 1972-2022. Et les jeunes gens qui sont là, ils ont eu comme encore plus fou que les anciens. Ils veulent faire une machine à vapeur. Ah bon ? Pour 2022. Waouh ! Ah oui, ça c'est un bel objectif alors. Donc vous allez encore y passer du temps probablement. Il y a des chances. Bonne chance. Le Puy du Fou, vous avez été utile, l'expérience du Puy du Fou, pour donner quelques conseils à nos amis? Pas forcément, mais ils font autre chose, quoi. C'est pas la même chose. Enfin, c'est le meilleur exemple de réussite du bénévolat en France, d'après moi, malgré tout. Bon, écoutez, merci. Et puis, monsieur Potier, vous êtes invité, vous êtes... ici comme chez vous. Comme disait Jacques Martin. Voilà. Merci en tout cas de nous inviter et nous permettre de nous exprimer sur notre association. Quand est-ce que ça rouvre? Alors là, on a dit le 13 février. 13 février, donc on attend tout le monde le 13 février. N'oubliez pas d'appeler ou de réserver sur le site internet. C'est pour les rillettes, ça, à la fin de la journée. Et sinon, déjà les groupes, déjà dès avril, les groupes sur réservation. Donc il y a déjà une vingtaine de réservations. D'accord. Et puis, sans rendez-vous, c'est premier dimanche de juin, dernier dimanche de septembre et tous les jours de juillet d'août, tous les après-midi. C'est formidable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je suis d'accord avec moi-même. Dans un instant, on parle architecture et puis on parle de vie, Mancelle et Sartoise.